Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une nouveauté qui nous a été transmise par notre partenaire Evolution International. Le produit transmis aujourd'hui fait partie d'une de leurs marques qui est Evolution Airsoft dans la gamme Evolution Combat Series Recon. C'est donc la réplique MK18 Mode 1 en 10 pouces 8 Carbon Tech de couleur tan. Que trouve-t-on dans le package? La réplique est bien maintenue dans son logement en carton moulé, un mag métal 300 billes, un ressort supplémentaire E120 et son manuel d'utilisation. On trouvera également un certificat de test et contrôle réalisé avant expédition, ce qui permet de recevoir un produit conforme et fonctionnel. Passons maintenant au design extérieur de cette réplique Recon Carbon Tech. On part sur la base d'une AR fabriquée sous l'appellation Carbon Tech, un polymère haute qualité, mais également un rice très imposant permettant d'y installer vos accessoires sur les différents rails Picatinny. L'ensemble de la réplique semble solide et ne présente aucun jeu, que ce soit au niveau du corps ou de la crosse. Cette réplique pèse 2,5 kg avec le mag pour 695 mm à 775 mm crosse déployée. Découvrons l'extérieur plus en détail. Elle est donc composée d'un cache-flamme métal habituel monté en 14 mm anti-horaire sur un canon externe en aluminium CNC. Son rail de 243 mm en deux éléments aluminium CNC recevant 4 rails Picatinny, les joueurs pourront y installer tous les accessoires de leur choix. Deux organes de visée en ABS démontables, rabattables et réglables. Son upper et lower Carbon Tech sont en polymère de haute qualité garantissant la solidité de celle-ci. Une petite trace de moulage apparaît sur le puits de chargeur mais qui ne gêne rien le fonctionnement de la réplique. On y retrouve les marquages de la gamme et de la marque Evolution Airsoft ainsi que le numéro de série unique qui correspond à la fiche de test du fabricant. On découvre ensuite les éléments habituels, le sélecteur de tir, le bouton d'éjection chargeur et le levier d'armement donnant un accès au réglage du hop-up par la fenêtre d'éjection cartouche factice. Le bolt catch est non fonctionnel sur cette réplique. Puis sa poignée pistolet en polymère recouvert de son effet moulé stippling et permettant un accès rapide au moteur sans outil, tout en laissant la possibilité de régler le serrage du moteur et nommé fast détache. Sa crosse lui permet un réglage sur 6 positions rapidement, équipé d'un emplacement QD. Le buffer tube est en métal et permettra d'y loger votre batterie. On peut constater l'absence d'attache-tangle sur le buffer tube. Puis on termine par son mag 300 billes en métal. Passons maintenant aux caractéristiques internes. Cette réplique reçoit une gearbox V2 renforcée prête à recevoir l'ETS. Elle reçoit un canon interne en 6.01 laiton de 265 mm
montée sur un bloc pop-up AMOLED en ABS qui permet un meilleur fonctionnement par temps froid. La Gearbox permet un changement rapide de ressort en enlevant uniquement le buffer tube pour y accéder. Évolution Airsoft équipe les répliques d'origine avec un ressort E100, mais fournit également avec un ressort M120 pour les joueurs souhaitant augmenter leur puissance. Les ressorts qui composent cette réplique sont fabriqués par Evolution Airsoft en Italie. Le fabricant annonce que cette réplique est capable de supporter de la lipo 11-1, ce que nous testerons pour connaître la réactivité et cadence. On passe au test à 20 mètres avec de la 0,25, batterie 11,1. Donc là, vous pouvez voir, j'ai changé la crosse. J'ai mis une crosse pour pouvoir mettre la batterie double stick 11,1 à l'intérieur et réaliser les tests de tir. Donc on y va tout de suite à distance de 20 mètres. On va mettre en mode full. Donc on passe au test à 50 mètres, toujours en bille 0,25, lipo 11,1. Donc on va faire les essais sur mannequin, on y va tout de suite.
On va faire un petit coup de foule. Passons point négatif et positif. En positif, une réplique bien finie et agréable. Un canon interne en 6-0-1, ce qui est rare sur des répliques en sortie de package et qui donne de très bonnes performances. Une Gearbox V2 qui donne entière satisfaction sur sa performance. Une présence d'un ressort supplémentaire pour les joueurs souhaitant augmenter la puissance de la réplique. En négatif, un léger bruit de ressort lors des tirs. Une absence de l'ETS d'origine qui pourrait accentuer les performances et fiabiliser encore plus l'interne de cette réplique. L'absence d'une attache angle sur le buffer tube. Et une crosse ne permettant pas de mettre une batterie double stick. Evolution Airsoft propose 13 modèles avec uniquement le corps en Carbon Tech et 7 modèles avec le corps et le Oris en Carbon Tech. Voici la review de la MK18 Mod 1 10 pouces 8 Carbon Tech de couleur tan de la marque Evolution Airsoft terminée. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review de notre partenaire dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.